3, 2, 1. Bonjour, bonsoir tout le monde, on salue ta son spécial pour tout été en audio. C'est Flash Sport qui rentre la KO, qui toujours passe sous pas ça, qui c'est Flash TV Haïti. Flash TV Haïti, à nous, t'es jeune toujours dans chaque émission, nous, c'est nous sur toutes plateformes plateforme qui que ce soit Facebook, Twitter, Instagram ou encore Facebook. Nous toujours demander pour like, partager, commenter, parce que le commentaire est vraiment important pour nous. Dans le menu jeudi, nous allons parler de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, qu'on est Ligue des Champions, c'est une plus prestigieuse compétition qu'a fait sur scène européenne. Depuis un certain temps, nous allons parler en gros de tirage sur Ligue des Champions, les quarts de finale. C'est tout pour ça, avec divers sports qui vont faire essentiel. D'après un coup de pause, d'après tourner. 3, 2, 1. Here we go! Je t'ai annoncé, nous retournons, nous allons parler de la Ligue des Champions. Ligue des Champions, nous connaissons que c'est une plus prestigieuse compétition européenne qu'a faite depuis 1955, qu'a faite sous le continent européen. À noter que c'est à partir de 1992 que nous avons une nouvelle appellation de Ligue des Champions pour apparaître. Toute la période de 55 ans, nous connaissons que Ligue des Champions, toute la période de 55 ans, c'était Coupe des clubs champions européens. Et Ligue des Champions, c'est toujours été dans l'histoire de la compétition. Ça. Nous connaissons que l'équipe qui peut titrer dans toute l'histoire de Ligue des Champions, c'est l'équipe Real Madrid, là, avec 13 titres. Vini en deuxième position, AC Milan de l'Italie, avec 9 titres. Et nous avons l'autre équipe de l'équipe de Bayern Munich, ou encore Liverpool, avec 6 titres, ou Barcelone, 5 trophées, ou encore Ajax Amsterdam, 4 trophées. Et le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, ça, nous connaissons Cristiano Ronaldo, avec qui marque 142 réalisations. Et wow, Cristiano Ronaldo, tout c'est meilleur passeur histoire de compétition ça avec 42 passes. Et Cristiano Ronaldo, encore tout c'est joueur qui fait plus apparitions au niveau de compétition ça avec 182 apparitions. C'est ça. Et l'équipe qui tenant du titre de compétition ça, on connaît, c'est l'équipe Chelsea. Hein? Chelsea qui sortit le pays de l'Angleterre. Nous allons entrer là. Tirage au sort et quart de finale Ligue des Champions. Tirage au sort, nous connaissons qui était réalisé et qui bail pas mal de affiches vraiment alléchantes. Nous allons affiches en détail. Normalement, la première affiche que nous allons voir, c'est Real Madrid face à l'équipe Chelsea. Real Madrid-Chelsea, il y a Manchester City-Atlético Madrid, il y a Villarreal contre l'équipe Bayern Munich. Ou encore Benfica face à l'équipe Liverpool. Nous allons rentrer là Real Madrid-Chelsea. Real Madrid-Chelsea, nous connaissons que Chelsea, je ne dis pas, c'est l'équipe qui sort du côté de l'Angleterre. Chelsea, c'est tenant du titre compétition 1, côté où tu bats l'équipe Manchester City en finale sur le strict minimum 1-0 avec un goal international allemand, c'est Kai Havertz. Chelsea, pendant la compétition, ça nous connaît que quitter l'ampoule de l'équipe de Juventus, Malmö. C'était que cela. Et Chelsea, saison passée, c'est lui-même qui était éliminé l'équipe Real Madrid. Chelsea, saison ça, l'équipe ça nous connaît que avec éclatement, surtout guerre Russie et Ukraine, nous connaît que président équipe ça qui c'est Roman Abramovich, nous connaissons qui est proche du Kremlin, et bien l'équipe ça, il est dans une situation extrêmement difficile côté mettez vraiment véritablement et qui l'a gelé tout contre l'équipe là et qui l'a vu dans une situation extrêmement difficile et gagné monde et gagné président équipe là bon monde peut-être avant que une situation où il pas rentrer du côté de l'Angleterre et bien le président équipe ça qui c'est monsieur Brooks qui sont américains mais qui c'est avocat pour Roman Abramovich dernièrement qui t'a dit que par quoi que l'équipe Chelsea a bien assez de moyens financiers pour finir compétition etc. Mais dans le prochain numéro on a dit plus pour nous venir sur un détail sur question de l'équipe Chelsea. À noter que Chelsea est le championnat anglais, Chelsea c'est troisième le championnat anglais
Je ne sais pas si c'est eux qui ont éliminé Real Madrid. À l'aller pour eux, ils ont battu l'équipe Real Madrid. Là. Et ils sont une équipe qui a entraîné contre Thomas Tuchel. Même si la véritable force de l'équipe, ça, c'est solidarité qui vient dans l'équipe, ça, c'est solidité qui vient, etc. Et on est que Tuchel avec l'équipe, ça, déjà, c'est opté pour un système. Côté un système 1-4-3-2-1, parfois il faut un système 1-4-3-3-2. Ça dépend de façon que l'utiliser des tricatistas comme ça dépend de façon d'utiliser des tricatistas comme ou encore Wilson Wood, parfois ou encore Hakim Ziyech ou encore Christian Pulisic. Bon côté équipe Real Madrid, nous connaissons pas tenir par Carlo Ancelotti, je ne sais pas, c'est l'équipe qui pititre dans toute histoire de compétition. Ça et Real Madrid, saison ça. Équipe qui a joué jeudi, ce n'est pas meilleure équipe Real Madrid qui est. Ce n'est pas meilleure équipe Real Madrid que nous jouons. C'est-à-dire, en forme, ce n'est pas meilleure équipe Real Madrid nous qui a joué, etc. Équipe ça, tout nous connaît qui, je dis, qui très dépend de Karim Benzema. Karim Benzema, c'est le meilleur buteur équipe ça, que ce soit en Ligue 1, que ce soit en Liga ou encore c'est le meilleur buteur en Ligue des Champions. Real Madrid pendant week-end bon connait que face la question du classique face à l'équipe Barcelone bat 4-0 c'est en fait capable dire que pour plusieurs journaux madrilènes c'est pas fait humiliation pour l'équipe ça et véritablement c'est ça mais une fois que nous avons fait côté équipe Real Madrid ça c'est surtout de équipes qui extrêmement les équipes ont décidé par équipe Real Madrid là en pile intensité Real Madrid toujours fait face à deux problèmes ça par exemple nous connait deux clubs de coup Manchester City, Liverpool ou encore Chelsea, trois masters de club anglais, ça ou qui là, nous connaissons deux clubs qui véritablement baillent équipe football en pile intensité, en pile densité, et surtout nous remarquons pendant la saison, équipe Real Madrid, là, elle fait face à jeune de l'équipe ça ou, qui équipe qui baille en pile intensité, et équipe qui décide de faire des blocs bas, ça baille équipe Real Madrid là, en pile difficulté. Je ne dis rien, c'est pas la meilleure équipe Real Madrid que nous, hein. Et équipe Real Madrid la véritable force je dis c'est doublette ça doublette Vinicius et Karim Benzema yo ont pas fait connexion entre eux et qui porte résultat pour équipe Real Madrid. L'autre affiche nous galoué c'est Villarreal contre équipe Bayern Munich. Villarreal c'est du côté de l'Espagne. Villarreal c'est capable dire au niveau du championnat d'Espagne le football là yo 7e. Et pendant le week-end, ils ont perdu contre l'équipe Cadix. Et Villarreal, nous avons entraîné par Unai Emery. Et en question de Europa League, saison passée, l'équipe Villarreal, nous connaissons même qui remporté compétition face à l'équipe Manchester United. Le match est défini 0-0, mais on a départagé dans la séance de tir au but que ont été champions sous l'équipe Manchester United. Villarreal, histoire équipe Villarreal là, en compétition européenne, c'est en demi-finale de Ligue des Champions qui a été fait en 2006. À l'époque, Villarreal qui n'a pas traîné par ingénieur, nous voulons parler de Juan Manuel Pellegrini, qui est entraîneur chilien, qui était côté équipe Villarreal, qui a fait demi-finale en 2006 contre l'équipe Arsenal. Villarreal à l'époque, ça, qui a pas mal de jeunes dans l'équipe, ça, c'est pour les joueurs comme Marco Senna, Juan Román Riquelme, ou encore un international français, Robert Pires, qui fait partie de l'équipe, ça, ou encore de Bruno Soriano, c'est un joueur qui pique à paix dans l'histoire de l'équipe, ça, etc. Pendant la Ligue des Champions, passage équipe Villarreal, peut-être son équipe qui plus ou moins capable de mitigée pendant la compétition, ça, mais véritablement, ils ont arrivé encore de finale, ils ont joué face à l'équipe Bayern Munich. À noter que l'équipe Villarreal, le format de système de jeu, équipe, ça, Parfois c'est un 4-3-3 que Unai Emery fait, mais l'équipe là en phase défensive, Unai Emery qu'on utilise en 4-4-1-1 côté deux monde parfois qui qu'on utilise comme ailier aussi pour deux joueurs pour Jérémy Pino ou encore Alfonso Pedraza qu'on recule pour venir regrouper au bon côté l'autre ligne de deux qui est Étienne Capou ou encore Dani Parejo comme deux médecins défensifs équipe ça. Nous, comme j'ai été éliminé, en 8e de finale, j'ai éliminé l'équipe Juventus, hein, côté où bat Juventus 3-0. Côté où, yo, on a dit que le style, côté où opté un bloc médian, côté où yo était très attentif et avec surtout un très jeune attaquant qui c'est Arnaud Donnarumma, qui c'est un néerlandais et je crois que au niveau de leadership, ça, c'est meilleur buteur avec 5 réalisations. Si nous prenons bon côté équipe Bayern Munich, au niveau de la compétition, ça,
pendant phase de groupe contre Bayern Munich là pour le Barcelone deux équipes tant que Benfica ou encore et ou encore équipe ukrainienne et Bayern Munich t'es passé à brio au niveau de phase de groupe c'est 18 sur 18 et côté côté nous on est que côté crasé tout net puis on est fini premier et jusqu'à ce que on est éliminé équipe RB Salzburg là en 8e de finale et on est encore de finale etc. Bayern Munich un championnat d'Allemagne là c'est solide leader c'est un championnat que Bavarois ont complètement dominé et pendant le week-end là yo crasé yo bat 4-0 avec un doublé de buteur qui c'est Robert Lewandowski qui était tout marqué 31e goal au niveau du Bundesliga et surtout c'est soulier d'or européen actuellement là c'est Robert Lewandowski. Bayern Munich c'est équipe qui a entraîné par Julian Nagelsmann et noté, au niveau de Admisine c'est son coup de pied au niveau de l'administration équipe ça me connaissait un symbole qui peut international c'est Oliver Kahn qui c'est président équipe Bayern Munich là et Bayern Munich avec et Julian Nagelsmann très jeune qui peut être en forme l'approche footballistique il opte pour une stratégie offensive côté équipe bien souvent ils font côté parfois ils font défense plate ou encore une défense à trois. Et équipe Bayern peut-être gagne pas mal de joueurs pendant la compétition ça qui va jouer il y a pas de gain bon qui était blessé quand même mais qui cap retourner très bientôt parfaitement de jeu donc Leon Goretzka qui compte parfaitement équilibre qui bat équipe ça ou encore international canadien encore Alphonso Davies qui revient de blessure cap retourner pour équipe Bayern Munich là et si on regarde les deux joueurs là, au niveau de l'équipe Bayern c'est si nous avons eu deux joueurs au niveau de l'équipe Bavara, qui est véritablement pas en pleine forme, deux joueurs d'un coup Joshua Kimmich, ou encore, nous capables de préquier, on a appris deux joueurs d'un coup Serge Gnabry, joueurs ça véritablement pas à l'un niveau, etc. Mais, face à Villarreal, peut-être nous pensons que l'équipe, nous capables plus ou moins, bah, bon, en quart de finale quand même, c'est Bayern, on t'y pousse au-dessus de l'équipe Villarreal. L'autre demi-finale, l'autre quart de finale, nous avons c'est Benfica face à l'équipe Liverpool. Benfica, c'est club portugais, qui sont club qui a entraîné par, son club qui a entraîné par un jeune entraîneur, qui c'est Nelson Verissimo, et qui est très jeune. Et Benfica, au niveau de l'administration, président de l'équipe, ça, c'est Rui Costa. Rui Costa, nous connaissons un ancien joueur équipe Milan AC, qui fait bonheur équipe Milan AC. Benfica, c'est un ancien champion d'Europe. C'est deux leaders champions déjà au Benfica en 1961 et en 1962. Et deux leaders champions ça, tout le débat équipe Barcelone. Et histoire, meilleur buteur, histoire club, ça, on connaît, c'est Eusebio, c'est un grand joueur et histoire football portugais, Eusebio, etc. Et équipe Benfica de Lisbonne, Benfica, t'es l'ampoule, nous connaît que t'es fini deuxième. Nous capables de dire c'est eux-mêmes qui t'es éliminé l'équipe Barcelone, côté t'es fait 4 points sous l'équipe Bavara. Et l'équipe Benfica, c'est une équipe très jeune, il y a pas mal de jeunes là-dedans. Et surtout, il y a un attaquant qui est en puissance là, c'est Darwin Núñez, qui est un jeune attaquant ukrainien de 22 ans, qui est chargé qualité là, etc. Il y a pas mal de jeunes, tant que Roland Weigel, ou encore deux. Ou encore le jeune, ou encore l'autre jeune, etc. De côté, c'est équipe Liverpool, là, ou Liverpool avec Jurgen Klopp. Nous connaissons que l'équipe, ça, déjà, c'est deuxième au niveau du championnat anglais, là. Côté, ils ont pas fait bataille avec l'équipe Manchester City, hein. Liverpool, pendant la compétition, ça, c'est une équipe qui est excellentissimement brillante. Nous regardons comment ils ont éliminé l'équipe Inter de Milan. Le match a été battu Inter 2-0. Mais au niveau du match, ils ont perdu le match. Mais quand même, ça a été permis d'avancer. Et Liverpool, déjà, c'est au niveau de la compétition, c'est équipe ça. C'est une équipe qui a pris l'intensité. C'est une équipe qui cherche verticalité, c'est profondeur. Ils ont gagné un meilleur buteur au championnat anglais à l'équipe qui s'est Mohamed Salah avec 20 réalisations. Et c'est une équipe ça qui est meilleur passeur et championnat anglais tout avec Alexander Arnold qui a gagné 11 passes décisives ou encore Andrew Robertson 9 passes décisives ou encore Mohamed Salah avec 10 passes décisives, etc. Bon, c'est une équipe qui est plus longue en fait. Gabin, on va favoriser sur l'équipe Benfica Lisbonne. Le dernier match, c'est Atlético Madrid face à l'équipe Manchester City.
Atletico Madrid, c'est pas, c'est de Diego Pablo Simeone. Diego Pablo Simeone, on est que qui peut-être qui parti, qui j'ai 10 ans depuis la entraîner l'équipe ça. Diego Pablo Simeone avec Atletico Madrid, c'est capable de dire c'est deux finales Ligue des Champions, c'est deux Europa League. C'est une capacité ça seulement comme ça. Mais au niveau de saison, hein, équipe Atletico Madrid est capable de dire c'est mon équipe qui a fait véritablement meilleure saison, hein, parce que une capacité qui était caractérisée équipe Atletico Madrid là, c'est solidité yo. Solidité yo, mais c'est pas même équipe solide nous te connaît qui t'a fait deux finales Ligue des Champions, hein, mais son équipe plus ou moins capable qui a eu gain de forme pendant la saison là et tout. Atletico Madrid au niveau de championnat d'Espagne c'est 3e yo et pendant week-end yo bat sous le strict minimum 1-0 et mieux pour équipe ça c'est Joao Félix qui a commencé reprendre ni au niveau de l'équipe ça et Cholo Simeone et nous connaissons que bon la stratégie que Simeone utilise il y a deux stratégies que Simeone utilise c'est stratégie défensive là et une autre stratégie qui relie contenu là c'est une stratégie qui puis défensif qui gagne le football dans le football moderne et bien Simeone surtout parfois dans un système hybride où ils font 4-4-2 ou encore parfois ils font 3-5-2 mais 3-5-2 là parfois qui compte transformer en 5-3-2 les transformer en 5-3-2 il gagne deux pistons yo qui c'est Renan Lodi arrière latéral gauche et qui fait piston gauche et ou encore Marco Llorente qui fait piston droit qu'on recule il fait que la défense en 5-3-2 en face c'est Pep Guardiola Joseph Salah Guardiola c'est nous connaissons déjà c'est une figure emblématique au niveau du coaching bien plus pour un peu le monde que Guardiola vini li bonifier jouer de ça ou encore le côté d'autre approche football li côté d'autre approche en jeu de ça mais Guardiola c'est du côté Guardiola c'est équipe Manchester City on connaît que Guardiola l'année dernière font finale de Ligue des Champions qu'il était perdu face à l'équipe Chelsea Guardiola c'est football de position, football de jeu de position, c'est un pile déplacement, c'est positionnement joueur sur terrain, c'est un joueur entre eux, c'est un pile largeur qui permet d'étirer les défenseurs, etc. C'est Guardiola, c'est stratégie Guardiola, on connaît, c'est une stratégie offensive, mais parfois tout qui opte pour une stratégie de surnom, c'est stratégie qui est pire offensive qui gagne le football moderne, c'est ça. C'est deux approches footballistiques différentes, c'est deux oppositions de style ou encore, c'est capable de dire que c'est ça, mais attention que même si que nous connaît que City, c'est la question de jeu de position qui permet de gagner possession de ballon, mais en face, nous connaît que Simeone lui-même, c'est l'Esmeone Vini, c'est empêcher ou faire sonner pour faire, mais lui-même, pour mettre le sens pâle pour faire ça, lui faire. C'est ça, mais même si que nous connaît que on approche à l'équipe City, hein, nous avons dit que on légère faveur à l'équipe City. Nous t'étais très content à vous, pour nous débrouiller de ces séries à vous. J'aime toujours dire, c'est Flash Sport, il est toujours passé là, toujours passé sous Flash TV Haïti. J'aime toujours dire Flash TV Haïti. Nous présents sur toutes les plateformes du net, Facebook, Twitter, ou encore Instagram, sur channel YouTube, nous on va monter, like, partager, commenter, dites là. Nous t'étais très content à vous, à bientôt. Three, two, one.